pour le public, ben, c'est que enfin on peut parler de localisation pour l'ensemble du public. C'est vraiment le premier intérêt. Mais en fait, il y a des effets secondaires à la WFS qu'on a découvert petit à petit. Et entre autres, le mixage devient énorme, enfin beaucoup plus précis. Et ça, c'est vraiment important et c'est un plus aussi important que la localisation finalement. Parce que les sources ne se mélangent plus dans la console, mais c'est la WFS qui mélange les sources. Et en fait, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Voilà, c'est comme si on ouvre un rideau et puis d'un seul coup, le mixage devient extrêmement clair et précis. Après, c'est du confort d'écoute et notamment pour les premiers rangs, c'est flagrant en fait. Des premiers rangs sur un concert, normalement, on entend le plateau et puis on n'entend pas vraiment la sono, c'est assez déséquilibré. Là, on peut avoir dès les premiers rangs quelque chose de cohérent avec les instruments placés spatialement, avec du niveau comme il en faut pour chacune des sources. Et ça, c'est assez. En plus, ils payent cher si c'est des places assises, donc autant qu'ils aient un bon son. Et là, il y a un vrai bénéfice à l'exploitation. Bon, déjà, comme je fais beaucoup de musique acoustique, j'ai tendance à essayer de reproduire le plan de scène en plaçant mes sources. Mais il y a d'autres possibilités à la WFS. Ça, c'est vraiment pour moi parce que. En fait, je veux qu'on entende le moins possible le fait que ça soit sonorisé, que ça paraisse naturel et qu'on, enfin pour le public, que ça paraisse naturel et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit sonorisé. Et en ça, c'est vrai que cette technique, c'est fabuleux, quoi. Ça change tout puisque l'image est raccord avec le son, ce qui est quand même très rare. Et c'est la seule technique pour l'instant que j'ai trouvée qui permette de ça pour l'ensemble du public. Let's make a step back and understand that we work in objects since a long time. So if you have your mixing desk in front of you and you have all your faders, the drums and vocals and guitars, these all are old audio objects. And what's new is that we bring all these audio objects in a 3D space, work there. But the principle is the same as we sit and on our mixing desk and working in stereo and its surround. Now we have more channels, but the same object as before. Ça amène la localisation dans le sens horizontal, on va dire, mais il y a aussi une différence de perception dans la profondeur. On a déjà fait des essais, par exemple, en rapprochant et en éloignant certaines sources. Et on s'est aperçu que le fait de rapprocher des sources, ça polarise plus le son sur les haut-parleurs qui sont juste devant la source, forcément. Mais quand on multiplie ces sources, c'est-à-dire que... Alors, on perd la localisation, mais par contre, on a une surprésence qui peut être très, très intéressante si on veut faire ressortir certains solistes ou certains chanteurs. Donc, c'est aussi, la WFS, un moyen de changer les plans sonores. D'un seul coup, s'il y a un solo de guitare, paf, on tourne la tête, il est là. Un break de batterie, tac, on tourne la tête, elle est là. Et je trouve que ça marche pas si mal que ça. Et la connexion entre ce que l'on voit dans un concert et ce que l'on entend, créer l'hologramme sonore exactement là où il est, et l'amplifier là où il est, ça c'est magnifique, quand on arrive bien à le faire, c'est très important. Créer, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on crée l'espace autour de lui. Et puis après, dans les musiques actuelles, il y a toujours des sources électroniques qui, donc, elles, n'ont pas de source acoustique visible sur le plateau. Et donc, elles, on a presque totale liberté. Et donc, c'est là que le travail de mixeur devient fantastique et en même temps très compliqué, puisque quand on travaille sur du live, c'est du direct. Donc, si on se trompe,
on décide d'envoyer, faire passer une nappe de synthé à l'arrière, d'un seul coup, bah, c'est pas un son qui s'y prête, bah, c'est raté. Tant pis. Voilà, donc il faut, faut arriver à gérer le risque de spatialiser des sons. Si on met tout à l'avant, c'est, on prend moins de risques. Alors, il faut prendre des risques. Des fois, on se plante. Mais des fois, du coup, c'est fantastique. C'est génial.